Oui, rebonsoir Corbeau. On a un peu problème technique, un peu problème logistique ce soir. Bon, moi, pas connais pas ça pour continuer. Et si jamais il peut continuer, peut-être nous pourrons arrêter. Et là, nous pouvons faire live la semaine prochaine. Si jamais il continue, parce qu'il est vraiment les plus dérangeant. Si à chaque fois nous causer et que les couper, les teindre, les faire mal d'affaires, etc., il est vraiment dérangeant. Donc, mon salut, je tout dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et moi, salut le pasteur Gora Bendou, le pasteur de notre église, église LVDV du Tombeau. Et moi, salut tout le monde, frère, tout le monde qui peut guider nous, qui peut guider nous, etc. Et qui peut porter à ce message-là. Voilà. Déjà, nous donner un peu. Laisse-nous rendre grâce à Dieu pour ce parole. Seigneur, nous louons toi, nous rendons toi grâce. Nous disons toi merci, merci pour ta parole. Merci pour ta bonté, pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Et merci pour ta parole qui cause la vérité. La vérité les dérangeant, Seigneur, mais nous croyons de ta parole, nous marchons par ta parole, nous abîmons seulement par ta parole. Merci Seigneur de ce que sa parole-là nous prend comme une bénédiction, comme une révélation, comme une bonne quelque chose, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà. Ce soir, nous pouvons être dans Matthieu le chapitre 14. Matthieu le chapitre 14. Bon, je tout connais l'histoire là, mais quand même, laisse-nous lire. Et moi, j'ai envie d'attirer un point qui m'a trouvé dedans qui est vraiment intéressant. Si nous connaissons Gethli, moi, j'ai Gethli. Alors, Matthieu, le chapitre 14. En ce temps-là, Hérode le tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs, c'est Jean-Baptiste. Il est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait pour lui des miracles. Donc, premièrement, Hérode, il reconnaît que Jean-Baptiste fait des miracles. Quand Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère. Parce que Jean lui disait, il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule. Il craignait la foule. Parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Ça veut dire la foule qui regarde Jean comme un prophète. Oh, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. Bon, après cette histoire-là, ce qui est arrivé, c'est que cette fille-là dit à Hérode, ben voilà, c'est qui m'a envie, moi. Et bon, j'ai envie de gagner la tête de Jean-Baptiste, l'ON plateau. Et effectivement, Hérode fait décapite la tête de Jean-Baptiste et fait amener ça l'ON plateau. Bon, le point qui m'a envie de souligner aujourd'hui, c'est que dans le verset, c'est-à-dire 5, oui, dans le verset 5, si je regarde ça, Matthieu, le chapitre 14, le verset 5, il dit, il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Bon. Hérode, c'est un des rois, c'est un dirigeant d'un pays. Malgré la manne juive, il y a ce rôle-là, non? Et Hérode, c'est un problème. Alors, Hérode, lui, Michel, lui, ce qu'il fait, il peut commettre l'adultère, il peut contenir une autre femme, il peut prendre une autre femme, et femme-là, c'est femme souffrir. Donc, Jean-Baptiste fait une réponse carrément, fait une dialogue, c'est un péché, ça, qui n'a pas en droit de faire ça. Donc, Hérode envie tuer Jean-Baptiste. Mais il n'est pas fait, lui, parce qu'il dit, il craint la foule. Donc, il perd de la foule. Il fait, il perd de la foule parce qu'il dit, la foule. Regarde Jean-Baptiste comme un prophète. Mais pourtant, Hérode, premièrement, il pas craint Dieu, il craint la foule. Il pas craint Dieu. Deuxièmement, il vit de l'adultère. Troisièmement, c'est une jeune fille qui peut danser, qui peut faire lit. Elle tue Jean-Baptiste, décapite lui, amène l'ON plateau. Et Hérode fait ça. Hérode fait ça. Ça montre nous que Hérode parti craint Dieu. Ok, il est bien à la crainte de Dieu. Il craint la foule.
Il pas tient être à personne, il fait ce qu'il a envie. Mon point c'est ceci. Il craint la foule parce que la foule peut regarder lui, peut regarder Jean, pardon, comme un prophète. Donc, il peut qu'il y ait une rébellion, qu'il y ait des gens en colère, etc., etc. D'ailleurs, dans la version anglaise de la Bible, New Living Translation, si je te dis ça, alors, chapitre 14, le verset 5, dis-nous comme ça que Hérode a envie de tuer Jean-Baptiste, mais il peut être en joint à émeute. Donc, il peut qui, si il tue Jean-Baptiste, pour une émeute, pour la guerre, pour ici, pour un soulèvement, pour etc., etc. Enfin, c'est que mon budget, il est un peu chaud quand là. Mon question aujourd'hui, ce n'est pas Hérode. Hérode est un salaud, ok? Hérode est un salaud. Pour un dimon, pour madame souffrir, il fait décapiter un prophète, il dispose qu'il y a une petite fine danse devant lui. Il est un salaud, ok? Moi, mon problème, ce n'est pas Hérode. C'est qu'Hérode, il craint la foule. Mais qui n'arrive la foule là? La foule là. La foule là, c'était mal croyant, ça. C'est nos balancettes là, mal croyant. Parce que je te regarde Jean-Baptiste comme un prophète. Je te d'accord Jean-Baptiste. Je te d'accord Jean-Baptiste. Je te dis Jean-Baptiste prier pour eux. Je te etc., etc. Mais quand Hérode, malgré les craintes, ça la foule là, il décapite Jean-Baptiste. Puis la foule là, qu'est-ce qu'il fait? Zéro. La raison est simple. La foule là, c'est hypocrite. La foule là, c'est hypocrite. Aujourd'hui, moi, je veux faire vous comprendre que pratiquement tout pasteur, il y a beaucoup de pasteurs qui ont prêché. Vous pouvez l'annoncer contre ça, je dis comme ça. Voilà, frère et soeur, ou soit peuple de Dieu, etc. etc. Un peuple de Dieu qui n'a pas craint bon Dieu, il n'est plus un peuple de Dieu qui est capable de gagner ce qu'il a besoin de gagner avec bon Dieu. Israël, tout le temps, tu peux bon Dieu. Bon Dieu fait l'alliance aux eux. Mais pas pour ça qu'ils n'ont pas fait 400 ans d'esclavage. Pas pour ça qu'ils ont passé devant captivité à Babylone. À Man-Perse. Domination Man-Philistère aux eux. Peuple de Dieu même, ça. Mais est-ce qu'ils ont craint bon Dieu? Alors, Jean-Baptiste est décapité, ça la foule là, pas de réagir du tout. Pour Hérode, Hérode est le roi, un dirigeant. Il craint la foule, c'est parce qu'il a mal bon l'information. Hein, il a ce man NIU, ce man NSS, ce man CIA, ce man FBI, ce man service de renseignement qui nous a dit ça. Jean-Baptiste, c'est un prophète. Il a beaucoup la foule reconnaît lui comme un prophète. Et qui, si tu fais ça, si moi je décapite sa boule là, ben, pour un problème, pour la manifestation. Non, on peut en aller. Parce que la foule là est une foule hypocrite. La foule là, il mérite sa dirigeant qui s'appelle Hérode là, parce que finalement, il poursuivre Hérode même. Premièrement, Hérode pas un bon les rois, pas un bon dirigeant. Pour un les rois, un dirigeant peut prendre femme, son frère. Il montre à quel point il est un mauvais les rois. Amuser, boire, fête, vivre dans l'adultère, et il ose tout un prophète. C'est pas n'importe qui. C'est un prophète envoyé de Dieu. C'est dans le sens le cousin biologique de Jésus. C'est quelqu'un qui vient être appelé pour dire du monde à la repentance. C'est lui qui prépare le chemin pour Jésus. C'est lui qui baptise Jésus. Donc, Jean-Baptiste, c'était pas n'importe qui. Et pourtant, et Jean-Baptiste finalement dans la vie. Il n'y a pas de mari, pas de femme, pas d'enfant, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de l'auto. La voix qui crie dans le désert, il vient juste pour faire son mission. Maintenant, tout ça, du monde qui connaît Jean-Baptiste, Jean le prophète, Jean, etc., Jean décapité, amène ça loin de plateau. Un du monde dans la foule là, pas bougé. Qui fait? Parce que la foule là, c'est hypocrite. Hérode, il ne comprend pas l'affaire. La foule là, dit il est enfant de Dieu. Il peut suivre le prophète là. Mais Hérode, il découvre cette hypocrisie qui, bon, capable de négocier avec ça. Il a un simé pour calmer les autres. Il connaît comment il fait, mais en tout cas, ça la foule là, pas réagir du tout.
en la foule qui Hérode t'y peut craigner. Hérode pas t'y craigne Dieu, parce qu'il met Jean-Baptiste dans prison. La Bible dit nous, il met Jean-Baptiste dans prison. Ce qui fait pas comprendre que Hérode pas t'y craigne bon Dieu. Il pas t'y craigne bon Dieu, il pas t'y craigne un homme de Dieu, il dit carrément, il s'en foutait de tout. Ok, mais seulement les craignent la foule là qui était ça. C'est qui man des monde qui regarde Jean-Baptiste comme un prophète. Qui ça man des monde qui regarde Jean-Baptiste comme un prophète? C'est man qui croyant, qui juif peut-être, qui croyant, qui croit que Jean-Baptiste c'est l'envoyé de Dieu. Et la foule. The New Living Translation, il peut cause émeute. Ça veut dire que tu es capable d'un grand problème ça. Tous un CV Jean-Baptiste. Pas de dire tous ce CV une décapite. La foule là pas réagir. C'est parce que la foule là c'est hypocrite. La foule là, t'y est beaucoup. C'est même la foule qui plie tort. Quand pas même Jésus-Christ et Barabbas, c'est Barabbas qui gagnait 60-0. Jésus-Christ, pas même quelque chose. 60-0. Barabbas gagnait. Barabbas, maintenant j'ai libéré Barabbas. Libéré Barabbas. Nous les Barabbas. Jésus-Christ, ils ont dit, crucifié-le. Donc, lui montrer à qui point qui. Le peuple de Dieu, il y a une certaine hypocrisie. Oubliez maintenant, croyants, man païens. Je ne peux pas vous faire hypocrite parce que je suis déjà pas content. Je ne suis pas d'accord avec vous. Donc, nous croyons. Mais pour moi, c'est qui quoi? Pour moi, c'est qui quoi? Qui vous pensez, moi, qui, quand il tue Jean-Baptiste là, qui n'a pas réagi, qui fait, je peux prier pour l'autorité. Ah non, jamais vous priez pour les rois qui m'ont dit. Jamais vous priez pour les dirigeants qui m'ont dit. Jamais vous ne priez pour Pharaon. Mon voyage, bon pas si nous man pays là, mais dans man pays, mon allez jamais vous prier pour sa prison, ça ou sa premier ministre sa pays là. Non jamais, pas du tout, jamais vous prier pour eux, jamais. Et ça les peuples là, sur l'hypocrisie fait qui Hérode continue à mettre man la vie malade, il fait ce qu'il y a en fait. Hérode c'est pas un imbécile. Pour y'en les rois, y'en descendant des rois. Donc y'en une tradition familiale. Ce papa même tient salaud. Y'a les mêmes. Mais il connaît les écritures. Parce qu'il y a avant tout y'en juif. Mais il pas suivre ça, dit tout. Il pas suivre ça, dit tout. Il pas qu'un saman tracala. Qui fait? Parce qu'il connaît qui saman dimoun, qui dit soi-disant, je te suis les commandements de Dieu là, je te remplis d'hypocrisie. Et donc, carbasse tes yeux, donc je te fais semblant ça. Et tout le temps, nous cause la repentance. C'est ça que c'est même nous cause la repentance, que ce soit moi et que ce soit le pasteur Bora. Donc, il y a un semblant de repentance ici. Pour Hérode, une crainte à la foule là. Faut dire la foule là, mais lui comparé, nous comptons Jean-Baptiste, nous comptons nos prophètes, nous, mais rempli d'hypocrisie ça. Un semblant ça. Faire semblant. Bouclant mot vilain. Beaucoup. Apôtre, il tué, assassiné, décapité, mais ça n'a là non. Les décapités depuis de prison amènent ça plateau là devant une jeune fille. Hérode accepter sa caprice là, subir sa caprice là, et tuer le prophète qui Dieu finit envoyer. Et tout cela devant la foule qui reste tranquille. Donc, le peuple de Dieu qui n'a pas craint Dieu, la question que nous poser, c'est qui est-ce qu'il est toujours de l'alliance, est-ce qu'il est toujours de promesse? Parce que quelqu'un qui pas craint Dieu, est-ce qu'il est vraiment un enfant de Dieu? Est-ce qu'il est vraiment un enfant de Dieu? Donc ça s'appelle la foule là hypocrite. Plusieurs fois nous pressions, bonne cause de la majorité versus minorité, bonne cause. Dieu lui man Dieu man against all odds, mais l'ien fait qu'il la foule l'hypocrite, l'extra hypocrite. Et beaucoup de monde quand je get nous man chrétien, je tout ça l'hypocrisie là dans tout le monde, je trouve ça l'hypocrisie là. Qui ne t'a pas filmé, qui ne t'a pas boire, ça va intéresser du monde ça. Il y a une religion pour du monde. Il y a du monde pas filmé, pas moi, jamais. Il n'a jamais mangé un bouclamian.
Il a jeûné 50 jours. Il a fait pèlerinage. Il a abstenu de mariage. Il a dit qu'il n'est pas forcément chrétien. Donc, il n'a pas fumé, il n'a pas boire, etc. Il n'est pas impressionné personne. Parmi les gens, peut-être que tu as déclaré un peu, ouais, moi, pas fumé, on pas boire. Parmi les gens, parce que quand il y a pas boire parmi les gens, il y a un top. Mais si mettez en avant les autres gens qui pas boire, qui pas fumé, so what? So what? Donc, il y a un problème de la foule. Les Moudjahidines font de la foule des croyants. Il y a une hypocrisie. 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 Il y a un tas de problèmes dans ce monde, également dans nos pays. Mais quel est le rôle du chrétien? Prier pour les autorités? Non. Il y a ce devoir à faire. Il y a sa responsabilité à prendre. Il y a sa responsabilité à prendre. Il y a sa responsabilité à prendre. Dans le dimanche, il croit dans le bon Dieu. Il croit dans le bon Dieu. Les mêmes plus grands croyants. Et dans lundi, il a fait tout cas été démontré qu'il n'est pas éligible de sécurité sociale. C'est pas une petite chose qu'ils m'ont trouvé. Il y aurait une boutelade. Il n'y a pas besoin d'une boutelade. Mais il n'est pas correct. Il n'est pas correct parce que ça, l'hypocrisie-là, il fait du mal à ceux qui travaillent pour justement qui vont dire mon code Jésus. Parce que les autres du monde, quand ils ont besoin de moi, ils ont besoin de nous, ils n'ont pas connu qui s'en a genuine et qui s'en a fait. Nous tous passe là-dedans, finalement. Donc, il est important que la foule, les cesser, la foule des croyants, nous veut dire, les cesser avec ce double face, ce l'hypocrisie. Parce que si c'est la foule là qui met à exécution sur la fausse, parce qu'il m'aurait dit à Hérode, tu peux craindre, man, Emmet. Hein, ça ne vient pas haine des démons. Mais peut-être Hérode, tu peux partir pour le prendre, partir pour le faire sa décision qu'il fait là. Mais, quand il trouvait bon, capable de décapiter. D'ailleurs, pour lui emprisonner Jean-Baptiste, juste parce que Jean-Baptiste, il reproche adultère. Mon frère, monsieur, laisse-moi te donner d'affaires. Si tu peux prêcher la parole de Dieu, tu peux partager la parole de Dieu, et tu peux dire ma vérité, tu la tête pas l'oublier comme Jean-Baptiste. Ouais. Tu la tête pas l'oublier. Jean-Baptiste, et par contre la foule des croyants pour défendre toi. Non, non, non. Non, 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 non. Vous pourrez trouver tout seul. Vous pourrez trouver tout seul. Si vous avez cause la vérité, vous avez prendre la Bible comme elle était, ou dire un verset comme elle était, dans le contexte qui était, prépare-vous la tête pour l'obéir. Bien sûr, personne pas pour décapiter nous, dans 2021 maintenant. Mais pas expect que la foule pour avec vous. Pas expect que du monde pour content ou pas expect que du monde pour flatter, etc. De toute façon, man flatterie, tout ça, il n'y a rien ça. Il n'y a rien. Même du monde, il bien flattement, il n'y a rien, bien flattement. En tout cas, il était éloge, il fait éloge. Ok? Bon, moi, je peux critiquer moi, ça, mais je vais arrêter, je vais pas éloge. Bon, pas grave, de ne pas vivre en éloge, nous, pas de problème. Mais la foule, il est hypocrite. Il est vraiment hypocrite. Ce qui est dommage, c'est la foule des croyants, ça. C'est la foule qui t'a crucifié Jésus-Christ. Ça. Man juif ça. Man qui croit quand même. Pourtant, je dis, tuez-le, crucifiez-le. Nous allons dans l'Ancien Testament, dans Exode. Exode, le chapitre 32. Vous montrez-vous que c'est la foule là, sur l'hypocrisie, les détails. L'Oban leader. L'oban meneur, même l'oban pasteur, il déteint l'os. Il déteint. Alors, Exode le chapitre 32, nous lui apporte le verset 1er. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Bon, là, il n'y a pas bon, là. Je te mets en cause, si pas Moïse, là ou pas là. Mais le problème, je peux en faire un Dieu. Et je peux trouver que Dieu, là, met un des petites lettres. Aaron leur dit, Aaron, c'est qui? C'est le sacrificateur. C'est pratiquement l'assistant de Moïse, 6 millions du monde, là. Aaron passe dans captivité, né dans captivité.
Il connaît Moïse, il sauvé des eaux. Il connaît Moïse, il est appelé pour quelque chose de grand. Il y a un sacrificateur lui-même. Ok? Mais qu'est-ce qu'il fait? Il trouve ça la foule là, lui. Il a envie de vivre politiquement correct. Il dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles et apportez-les-moi. Et tout ôtèrent les anneaux d'or et qui étaient à leurs oreilles et il les apportait à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta alors dans un moule et fit un veau en fonte, s'il vous plaît. Et il dit, Israël, voici ton Dieu, des petites lettres, qui t'a fait sortir d'Égypte. Comment une boucle comme ça, qui, si nous êtes traduit, les autres, c'est un pasteur, c'est un leader. Il ose des affaires comme ça. Il tout ça miracle bon Dieu, une fille là. Les displays, la main ouverte. Quand il touche à la foule là, c'est moi qui l'y peux imaginer. Mais si mon frère paraît descendre de sa montagne là, qui ça n'a pour prendre sa place? Lié Josué. Aaron qui prend. Il y a la foule là. Il y a ce poste. Moi, accepter de gagner 6 millions de monde. Moi, je viens 6 millions de monde. Il y a une seule affaire que je vais faire. Bien, arrange un bœuf en l'eau, fais tout, adore ça. Et festin, mon Dieu. Festin. La fête. L'hypocrisie de ça, la foule qui, bon Dieu, fait une sortie dans l'esclavage, là. Déteint loin qui ken comme Aaron. Parce qu'il y a un Aaron, père, là. Si Aaron, tu dis non, et que je peux gagner, nous pas vivre dans l'idolâtrie, nous, l'autre. La tête, là, au milieu, là. Il y a un bâti là, tabassé là pour tout ça, man, il a envie d'être politiquement correct. Politiquement correct. Si nous être politiquement correct, nous faisons, si nous retournons à l'époque ancienne, nous prions pour Pharaon, nous prions pour Hérode, nous prions pour n'importe qui dictateur, etc., etc. Moi, jamais vous priez pour un dictateur. Moi. Non, jamais. Jamais, jamais. 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 Dans mon pays, je ne parle pas de non. Si je veux nous en face, je demande si vous avez ça, c'est pas pour appuyer pour ça. Peut-être que vous dites, ah oui, parce que bien sûr, la foule est hypocrite. Pour Jean-Baptiste, tu peux prier. Après, il est arrivé. Décapité. Bonjour frère, comment ça va? Ça va pour la grâce de Dieu. Et ta zone, une mot, baleine décapite. Ah, il est avec nous Seigneur maintenant. Oui, c'est ça qui est important. Nous continuons à prier pour Hérode, pour que bon Dieu sans se l'équerre. Non, ben, comme Hérode l'équerre pas sans dire ça. Donc, nous trouvons qui? Verset 5. Lorsque Aaron vit cela, ça veut dire maintenant finit faire voilà. Il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain il aura fête en l'honneur de l'Éternel. Fait une fête en l'honneur de l'Éternel. Et puis ça vient de vaudou. Tout a été fait de faire aujourd'hui. En l'honneur de qui? Je peux dire en l'honneur de Dieu ça. La vérité non, en l'honneur des hommes. L'hypocrisie de la foule. C'est la foule qui cautionne ça. C'est la foule qui cautionne ça. C'est la foule qui cautionne ça. Parce que la foule là, l'hypocrite. Aaron en rodé à bout. En rodé à bout. En rodé à bout. Je ne sais pas si j'ai jamais prêché, je n'ai pas prêché telle manière pour être telle position, telle affaire. Non, merci. Garde bout pour vous-même. Garde bout pour vous-même. Oui, nous avons respecté mon pasteur. Nous avons respecté les gens qui Dieu nous choisit pour enseigner nous, pour établir l'église. Tant que les gens là, ils ont pris la Bible, ok? Il est ok. Mais les gens là, fané, fait quelque chose qui va être, nous prions pour lui, nous prions pour autre, pour Aaron. Non. Non, merci. Il y a beaucoup de pays qui ont ce problème, par exemple en Afrique du Sud. Là. Tout le monde a prié pour l'Afrique du Sud, etc. Mais l'inégalité qui finit là dans ce pays, là, pendant des années, personne ne va prier. Personne ne va prier.
Personne n'a prié. La foule aujourd'hui, il représente Dimoun, il représente casse, il représente pouvoir. Donc, plus nous nombreux, nous avons un certain pouvoir. Quand Dimoun est dans l'église, quand Dimoun est derrière toi, whatever tu peux prêcher, qui tu peux causer, il est secondaire. Il est vraiment secondaire. Moi non, je préfère la tête à l'eau. Pas grave. Pas grave. Je fais Dieu confiance, Dieu est souverain. Et moi, insister qu'il y a un peuple de Dieu sans crainte de Dieu, moi, normalement, c'est pas qu'il y a un peuple de Dieu même. Moi, normalement, c'est pas qu'il y a un peuple de Dieu. Le roi Saül, une des bonnes raisons qui. L'État nous réalise la vie, Saül. Il dit ça. Saül, bon, Dieu nous donne l'autre. Et un man dit pour tout y est, l'intuit est parti, l'ennemi ça, l'intuit est parti, ou un parti l'ingardé, on est qui dit l'infuse, manger, si j'ai tout les animaux là, non, il peut donner ce man zoom, manger, etc. Ok, il y a une faute grave, l'in désobéit à l'éternel. Mais David, par contre, lui, il prend femme son camarade, femme là enceinte, les faire Marie-là venir. Faire Marie-là boire, manger, justement, pour Marie-là dormir aux femmes-là. Marie-là pas faire ça, parce que Marie-là est une soldat respectueuse. Plan-là pas faire bosser. Il y a voué Marie-là au front, faire tuer Marie-là. Donc, il saute. Menteur, adultère, assassin. Quand nous comprenons à des péchés-là, pour David-là, paraît grave. Ça y est, pas de tuer certains ennemis. Mais David, tu aimes ce propre soldat. Il est carrément une bonne femme, un bon soldat. Il est bon ancien dans ce tribu, dans ce pays. Mais la différence qui était, c'est que David, il craint Dieu. Quand Nathan répond, il a accepté. Il a accepté. Saül, non? Saül, même dit Samuel, devant moi, tu fais avec ma diète tout correct. Devant moi, te faire comment dire tout correct. David, il est capable parce que le roi David, à l'époque qu'il commet, me tout le temps explique ça. Déjà, comprends le contexte. Quand il commet sa crime avec Bathsheba, là, Bathsheba, Bethsabé, whatever, comment on appelle lui, le roi David, il y a ce pic là. Il gagne beaucoup la guerre, il aime top des top, ce peuple compte en lui là. Même s'il n'est pas tiré penti, le peuple est beaucoup content, parce qu'il fait juste gagner une victoire. Mais David connaît, il vaut mieux craindre bon Dieu qui plaît à son peuple. Pour ça, il écrit, ça adultère là, il écrit, c'est parce que David il admet, il ne reconnaît que c'était mal et il ne repentit. Mais Saül, non. Saül. Saül. La foule des croyants, les remplit en hypocrisie. Et ça les vignes même. Je dois comprendre que le peuple d'Israël appartient à les rois. Ils appartiennent à les rois. À un certain moment, toute nation à côté de eux tient à les rois. Toute nation. Toute nation à côté. Tout un pays. Pratiquement tout un ennemi, je tient à les rois. Mais le peuple d'Israël tient à un moment, tient à un juge. Tient à Samson, etc. etc. Tient à Othniel, tient à etc. etc. Tient à un juge. Les peuples n'ont pas satisfait. La foule là, parce qu'ils aiment les rois. Lui. Maintenant, la question que nous vous avons posée, qui fait nous aimer les rois quand nous avons bon Dieu? Qui fait nous aimer les rois quand nous avons bon Dieu? Vous avez une vidéo, un pasteur, un prophète, un africain, ça, dans ce jet, ce madame, là, ce zénou, puis caresse ce zénou, je tout paye, yeah. Un jet 10 pour lui. Une parole de Dieu pénal là, madame la pédale, je t'aime, le pévinis pas qui était. Mais man petit film là. C'est man petit les rois aujourd'hui ça. Et c'est man la foule de croyants, de chrétiens qui ne fait ça man du monde la ville les rois. Je vais pas faire de bon Dieu, je peux dire de nous les rois. De nous les rois. De nous les rois. Et avant les autres pasteurs, maintenant ça fait papa, 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 papa. Et ouena au papa, si vous papa est mort, correct, boss. Ou papa dans les ciels.
Jésus-Christ exprès, il disait, votre Père qui est aux cieux. Il dit ça, il y a des gens qui font un papa. Ou il y a des gens qui n'ont pas papa, mais qui ont un problème aux autres papas. Ou qui ont une mauvaise relation aux autres papas. Non. L'autre père appelle pasteur, papa, 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 etc. etc. Oui, oui, mon papa est spirituel, ça, il est. Il n'y a pas de spirituel, il y a juste bon Dieu. Il y a un qui a une forme. Moi aussi, il y a un qui a une forme. Moi aussi, je vais apprendre à un pasteur. Mais c'est pas, je ne veux pas mon papa. Mon papa est beau. Et Dieu dit mon papa maintenant. Donc, nous êtes ça l'hypocrisie là-dedans. Parce qu'il fait nous extrêmement du mal. Il ne faudrait pas que ça la foule chrétienne, là, ça la foule croyant, là, les consignes God, ça l'hypocrisie. Les God, ça l'hypocrisie. Tout problème qui dans le monde peut passer. Allez, tout problème qui dans Maurice peut passer. Regarde ça. Quand il y a un changement dans Maurice, qui dit mon Dieu, qui va un chrétien dire, frère, nous la prière qui nous fait ça. Mais quand il y a un problème, tu n'as pas mon responsabilité là. Ça veut dire tout manque de prière. Quand il y a une affaire, quand il y a un coronavirus, quand nous sommes zéro cas, frère, nous prier. Oui, frère, nous prier. Nous pas d'accord. Nous pas d'accord qui corrompt. Mais là, n'est-ce pas, il vient 1100 cas là. Qui va avoir fait? Tu as prié? La prière n'est plus bossée. Il expirait en 2020. Tu n'as pas de responsabilité. Si tu as envie de prendre responsabilité de victoire dans ton pays, prends responsabilité de défaite là. Arrêtez en sa l'hypocrisie là. Arrêtez en sa l'hypocrisie. Donc, il est très important qu'il nous ait la crainte de Dieu. Rentre dans un groupe, n'importe qui dit nous joigne. Moi, nous joigne man dit dans le passé, man dit moun qui pas chrétien, qui pas chose, nous peut causer là. Moi, j'ai dit, c'est ça va pas faire. Dit moun, non. Dit moun, pas chrétien, dit moi, pas faire ça, bon Dieu pour bénir moi. Je n'ai la crainte de Dieu. Même si c'est pas Dieu qui veut te croire, mais je n'ai ça, ça la crainte d'un être suprême qui peut guérir Dieu si je te fais ma bouille. Etc, etc, etc. Donc, nous avons la crainte là. Est-ce que nous avons la crainte là? Si nous avons la crainte de Dieu, beaucoup de choses nous vont faire. Beaucoup de choses. Au fait, l'état David commet ça avec l'adultère là, la crainte de Dieu là, baissée là. Mais après, la crainte là est revenue quand Nathan répond lui. Donc, il répond. Mais ça n'a pas tient à la crainte de Dieu. Il tient à la crainte des hommes. Il tient à la crainte des hommes. D'ailleurs, ce jalousie commençait quand? Comme une femme peut sentir, ouais, ça a eu une batte 1000 Philistins, David a eu une batte 10 000 Philistins. Donc, je te guidais pour ça la foule. Et c'est la foule hypocrite. C'est la foule hypocrite. Je te pas clame aux autres. Jésus-Christ rentre dans Jérusalem. Rameau, accueilli dans sa bourrique là. Accueilli comme un roi. Accueilli. Les gens qui avaient pas le mot là, grâce de ce figuier là, mais la foule là côté, ça la foule, si tu veux t'accueillir, il y a quoi qu'on allait disparaître. Je ne vais pas me bloquer, je ne vais pas gagner un bis, pas gagner un transport. Non, je suis hypocrite. Je suis hypocrite. Et sa tradition d'hypocrisie dans la foule des croyants, là, il continue. Il continue. À cause de ça que je me remarquais dans mon épique paulienne, dans mon lettre qui Paul envoyait, un délire, il est sévère en mon corinthien, il est sévère en mon éphésien, il est sévère en mon romain, il est sévère en ce, parce qu'il est comme ce double face. Il est comme ce double face. Mon frère, monsieur, t'es capable de sortir de ça, ça fait double face là. Sortir là-dedans. Ou la tête pas l'obéir seulement. Ou la tête pour al. L'obio, comme Jean-Baptiste. Ou la tête pour Al l'obio. On termine un dernier verset. C'est toujours dans l'Ancien Testament, Job, le chapitre 28. Facile pour rappeler ça. Le verset 28. Puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est intelligent. Donc, nous sautons, nous éloignons du mal, c'est l'intelligent. C'est intelligent, c'est nous éloignons de quelque chose qui n'est pas correct.
Mais la crainte de Dieu, c'est la sagesse. Beaucoup de gens me disent, oui, frère, dans Jacques, il dit, prier, c'est quelqu'un qui manque de sagesse, etc. C'est vrai. C'est quelqu'un qui priait là. Faudé, il a la crainte de Dieu. Seigneur, vous avez la sagesse. Mais tu es dans la crainte de Dieu. Tu n'as pas gagné ça dans le tracas. Tu es en route, toi. Ton femme, ton camarade, mais correct, ça. C'est OK. Arrivé, ça. Arrivé, ça. Non, on ne dit pas pour moi aussi. Beaucoup de monde ont de la sagesse, j'ai appris que je ne peux pas gagner. Qui fait que je ne fais ça? Je suis dans la crainte de Dieu. C'est à Dieu qui nous demande les petites choses. Parce qu'ils ont dit tout ça, fait, ouais, demander tout pour gagner, faire moi la tête, moi la tête et non la queue, moi ceci, moi millionnaire, moi modèle des affaires, l'autre la, moi dans la fosse du bus, etc. L'ex, pas qu'ils histoires, j'aime, ouais, l'autre, je les allope, tout. Il y a une condition là, non. Tu as besoin de la crainte de Dieu. Ça va dire qu'il gagne ça là. Il faut aller dans la crainte de Dieu. Car Samson, paix dans la crainte de Dieu. Paix dans la crainte de Dieu. L'école mondiale, l'école mondiale de l'île à fausse. Maintenant, ou capable qu'on mondiale, mais ou paix dans la crainte de Dieu. Ou capable qu'on mondiale, mais ou paix dans la crainte de Dieu. Ce soir, quand on a causé, on peut causer tout le monde qui croyant, même là. Ça, les peuples qui tolèrent sa décapitation, Jean-Baptiste là, c'était man croyant. C'était man croyant. Alors, il ne faut pas qu'il nous donne ça la foule hypocrite. Là. Et surtout pas, il ne faut pas nous laisser nous être séduits par cette foule hypocrite qui est capable, comme ma pasteur Gora fait une pressée dimanche, amène-nous vers ainsi. Voilà le message de ce soir. Et laisse-nous rendre grâce à Dieu pour ces paroles. Seigneur, mon loup et toi, mon rends-toi grâce. Mon Dieu, merci. Merci pour tes paroles, Seigneur. Merci, Seigneur, mon quoi qui nous a revoir nous la crainte vers toi. Et qui nous pas être influencé par la foule hypocrite. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bon, on fait les annonces. Donc, dimanche, toujours, nous prenons des cultes. Pour cause de l'église de Béditombo, bien sûr. 8h30 à 9h30. Et puis 9h45, il y a les 10h30 jusqu'à 11h. OK? Toujours pas oublier à mettre notre masque dans notre figure, bien sûr. Et puis, donne notre nom et un cornet et une fiche. Quand je te rentre, pas oublier mettre votre nom, mettre votre numéro de téléphone. Ok? Moi, je connais nous faire ça parce qu'il nous paye. Nous paye suivre un protocole qui gouvernement peut dire. Et nous souhaitons une très bonne soirée. À très bientôt. À dimanche à l'église. Hein? Et God bless you all. Bye bye.